Eh bien, salut tout le monde, c'est Kana, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la suite de The Legend of Zelda Oracle of Ages sur Game Boy Color. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre la quête du modelier. En fait, je sais pas comment on peut l'appeler exactement. Moi, je l'appelle la quête des secrets ou la quête du modelier, je sais pas trop en fait. Donc, en ce qui concerne le modelier, c'est la première fois que je commence le jeu là. Sur Edges, habituellement je commence sur Season, mais là on n'a pas le choix, il faut commencer sur Edges, parce qu'on va avoir un nouveau petit personnage qui vient de se débloquer. C'est lui, donc on va lui parler. Donc, salut, crois-tu en ce que tu vois? Si oui, je vais te dire un truc. Alors, oui? Dans le cimetière d'Holodrome, il y a une tombe sans fleurs. Si tu répètes le secret que je vais te dire, il se passera un truc bien. Compris? Oui. Voilà le secret. Et on va donc se retrouver dans Season. Donc on se retrouve directement devant l'arbre Bojo. On va directement parler à... C'est pas Dean, c'est Farrer. Voilà, Farrer. Au passage, mémoire de Farrer, lire. Au passage, voilà les deux secrets que je me demandais pourquoi je les avais pas dans Edges, mais simplement parce qu'ils sont dans Season. Donc, blablabla, c'est toujours les mêmes dialogues en plus. Oui, je connais des secrets. Tombe sans fleurs, printemps. Alors, faut bien se rappeler, c'est la tombe sans fleurs au printemps. Blablabla, après, je m'en fiche du reste. Non. Donc là, du coup, on va se diriger exactement... là où se trouvait le septième temple, c'est-à-dire au niveau du cimetière ici. Donc on est directement au printemps et on est obligé de passer par ici parce que sinon avec l'autre entrée il faut la saison de l'été. Donc on va prendre la cape de robe que j'ai déjà en fait. Je l'avais déjà en fait, c'est énorme. Tombe sans fleurs, hein. Tombe sans fleurs au printemps. Donc on est au printemps, il faut trouver la tombe qui est sans fleurs. Donc on la voit, c'est juste... on la voit, voilà, on la voit. J'ai pas besoin de vous dire... de décrire où est-ce qu'elle est, vous la voyez. Hein. Voilà. Ce serait parler pour rien. Donc là, en fait, j'ai pas mal traîné ici parce que je croyais qu'il fallait pousser, comme dans Link's Awakening, mais non. C'est pas pousser, c'est... Il faut l'appel. Et c'est juste ici. Donc, on va parler au fantôme. Dis, Doudou, tu es dans ma chambre. Tu cherches un truc? Oui. Quoi? Une introduction pour quelqu'un de Labrina? Tu as l'air sûr de toi. Alors, pourquoi fais-tu ce test? Pourquoi ne fais-tu pas ce test, plutôt? Si tu réussis, j'augmenterai ta force. Ah, intéressant. Veux-tu essayer? Oui. Donc là, un mini-jeu basé sur la couleur. Je vais t'expliquer. Des copies rouges et bleues de moi vont apparaître. Fais attention, je te demanderai ensuite s'il y avait plus de rouge ou de bleu. Donc c'est une épreuve d'attention en fait. Faut faire attention, c'est basé sur la couleur mais c'est visuel. Donc forcément, ça ne peut être que visuel, vu que c'est basé sur la couleur. Mais là, faut être attentif en fait. Faut être vif d'esprit si on veut. Donc, réponds bien, toutefois, il y a 3 tests en tout, alors n'en rate aucun. Tu as compris? Oui. C'est parti, donc le but du jeu, c'est de voir laquelle catégorie des fantômes est la plus présente, si on veut. Donc là, c'est largement visible, hein. C'est les fantômes bleus qui sont les plus présents. Alors, y avait-il plus de rouge ou de bleu? Rouge ou bleu, c'est bleu, hein. C'était tellement visible, c'est comme le nez au milieu du visage, carrément. Bon, exact, on continue. C'est parti. Un peu plus difficile, mais on a bien vu que c'était le bleu. Exact, on continue, dernier test. Donc là, c'est quand même un peu plus dur, je pense que c'était bleu. Hein. C'est un peu plus compliqué. Là, j'ai un petit doute, mais je pense que c'était bleu. C'est exact. C'est la fin du test. Et cela nous montre que ta vue est perçante. Comme promis, je vais te rendre
Je vais te rendre plus fort. Voici un cœur entier. Obtenez un cœur. Donc là, on se retrouve en fait avec 15 cœurs. Alors, je vais te donner... je crois qu'il avait dit, je vais te donner le secret pour garder ce cœur en Labrina. Une fois de plus, on va devoir retourner dans Aegis et il faudra se diriger vers Faror de Labrina. Voilà. Donc, bienvenue, Kana, je suis fort. C'est toujours les mêmes dialogues dont j'ai pas besoin de lire. Et donc, forcément, on va lui donner le secret qu'on vient juste d'apprendre avec le fantôme sous la tombe. Tes secrets ont donné naissance à de nouveaux pouvoirs. Reviens quand tu veux. Donc, le secret, enfin, le cœur qu'on avait récupéré dans ces zones, vous devinez qu'il est dans le coffre. Et voilà, vous obtenez un nouveau cœur. Donc, en fait, ce qui fait que, à la fin du jeu, on se retrouve là actuellement, on se retrouvera là actuellement avec 15 cœurs dans Aegis et 15 cœurs dans ces zones. En soi-même, le cœur supplémentaire dans ces zones, maintenant, on s'en fiche. Mais c'est dans Aegis, maintenant, on a le 15e cœur, sachant qu'on aura normalement un 16e cœur. Normalement, je crois. Faudra que je m'assure, normalement, ces deux cœurs supplémentaires, on égalise, en fait. Normalement, on égalise. Enfin, bon, on verra en temps voulu. Je préfère ne pas trop me prononcer là-dessus. Donc, à tout de suite. Donc du coup, on va se rediriger vers le cimetière Yol, parce qu'on va... En fait, j'ai dit une boulette dans la vidéo précédente, j'ai dit que le début de la quête précédente, c'était le livre. Mais non, le début de la quête, on va la commencer directement, enfin la quête des échanges, et ça commence dans le cimetière Yol. Du coup, on se retrouve directement devant le donjon, et on avait vu un spectre. Il est juste à côté, voilà, le spectre dont les gosses avaient peur, en fait. Et maintenant qu'on a l'item du premier donjon, on peut soulever ce rocher et lui parler. Quelqu'un est finalement venu. Cette pierre tombale bloque mon chemin vers l'après-vie. Je suis en dessous, peux-tu m'aider? Il n'y a pas de souci, mais là, par contre, faut pas creuser un trou. Il faut bien pousser, comme dans Link's Awakening. Tu as bougé la pierre, tombale. Je peux enfin aller vers l'autre monde. Mon cœur est léger, merci. Et là, on s'attendrait à la rigueur à ce qu'un coffre apparaisse, mais non. Il n'y a pas de coffre qui apparaît, mais néanmoins, en ressortant, il y a à nouveau le... Ça fait bizarre sur le coup. Enfin, c'est bizarre le comment c'est scénarisé le truc, en fait, parce que on a le spectre ici, mais c'est bizarre le fait qu'on ait le spectre, ou alors on, je sais pas, c'était l'âme du spectre, mais là c'est bizarre quand même. C'est pas le spectre en lui-même, c'est une âme, donc on n'a pas à voir. Enfin bon, c'est bizarre. Bref, il faut lui parler. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire par là. Donc, tu t'en es sorti. Comme je peux bouger, je n'ai plus besoin de ça. Prends-le. J'espère que tu iras dans l'autre monde bientôt. C'est flippant. Vous obtenez une montre pouée. Elle illumine les cœurs. Ah ah, intéressant. Donc du coup, en soi-même, on va se rediriger. On n'a plus rien à faire dans le cimetière, hein, plus rien du tout. Dans le cimetière Yol. On va se retrouver, enfin, on va... Je vais pas faire d'ellipse, mais on va... On va se diriger vers la cité Lina. Et poursuivre la quête principale. Et donc, oui, on a terminé le premier donjon. Donc, on n'a rien à faire en soi-même. Je crois qu'on n'a rien à faire dans la cité Lina. Je me demande si j'ai pas des anneaux supplémentaires que j'ai gagnés.
Je sais même plus, je vais vérifier. Ah, c'est deux anneaux. On va les faire évaluer, tiens. On va les faire évaluer, comme ça sera fait. Donc, évaluer. 20 rubis, je m'appelle ça anneau force 1, dégâts épée. Tu en as déjà un, je peux l'acheter pour ton rubis. Donc, comme j'ai dit, ça va être plus difficile de récupérer des anneaux supplémentaires, puisque j'en ai déjà un max. Bon, là, pareil, hein. J'ai même pas regardé, en fait, de quel anneau il s'agissait, mais comme c'était un anneau qu'on avait déjà, ben, ça servait à rien. Donc là, du coup, on va vite voir quand même Faror pour voir si j'ai pas un secret dans le livre. Juste pour voir. Bah ben non, on n'a rien toujours. Donc en fait, c'est dans ces zones qu'on aura le... qu'on aura la liste des secrets qu'on a récupérés. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vers une nouvelle... Je sais pas pourquoi j'ai failli dire « nouvelle ». Une nouvelle destination. Là, je me demande si c'est pas ici que... Non. C'est pas ici, la poursuite de la quête des échanges. Ce sera dans ces zones. Non, non, dans Aegis, qu'est-ce que je raconte? Dans Aegis, mais dans le passé. Voilà. Dans le passé. Donc, du coup, comme on a l'item du premier donjon, on peut se diriger vers le nouvel endroit, donc je sais même pas ce que c'est, en fait. Donc, Cité Symétrie, Cité Lina. Y a pas un nom? Bizarre, on saura peut-être un peu plus tard, il y aura un panneau. Il y aura un panneau, forcément. On a un coffre, on sait pas comment y accéder. Ah! Petite musique, je vous laisse profiter un peu. En petite musique qui peut être assez chiante à entendre au bout d'un moment. Donc on va... Voilà. On a un coffre. On n'a pas de plume. Pour y accéder, ce sera plus tard. Par ici. Ben, je cherche un panneau, en fait, pour savoir où est-ce que je me trouve. Le nom de la zone. Ah ben, on le sait comme ça. La forêt des fées. Intéressant. Je pense pas qu'on fera toute la forêt des fées dans cette vidéo. En fait, je pense pas qu'on se retrouvera à l'entrée du deuxième donjon dans cette vidéo, mais bon. Donc, voici notre terrain de jeu. Veux-tu jouer à cache-cache? Si tu nous trouves, toutes les trois, tu gagnes. On va se cacher. Essaye de nous trouver. Bon, là, une fois de plus, une énigme, hein, forcément. Donc là, en soi-même, ça va pas être extrêmement compliqué. Mais voilà, quoi. Enfin, donc, viens nous chercher. Ça peut être assez spécial, parce que la forêt est un peu sans dessus-dessous. Là, je vais faire demi-tour pour vous montrer que assez... Ah si, à la rigueur, là, c'est le même endroit, donc, mais sauf qu'ici, voilà, c'est complètement chamboulé. Donc on va essayer de se rappeler, donc je crois qu'il y en avait un ici. On va soulever, voilà. Paf! Mais il en reste encore deux, certes. Donc pour les deux autres, ah ouais, c'est un peu sans dessus-dessous. On va... Ah, je crois qu'il y en avait un ici, ou alors non. Pas sûr. Non, pas sûr. On va passer de l'autre côté un peu. Voilà, il y en avait un ici. On a trouvé, mais le dernier sera plus dur à trouver. On va essayer de se rappeler où était le dernier. Donc, il n'était pas là. Il n'était pas là. Je crois qu'il est... un peu chiant à trouver le dernier, en fait. Un peu chiant à trouver. Ah non, non, j'abandonne pas, en fait. C'est pour ressortir. Comment on fait pour accéder au dernier, déjà? Mystère. On va trouver. Ah bah oui, je crois que c'était ici. Voilà. Quoi? Tu nous as tous trouvés? T'es un balèze, toi. Bah, faut pas exagérer, quand même. Oh, tu nous as tous trouvés. Ok, on ne t'embêtera plus. On va remettre la forêt en ordre.
C'était super. Reviens jouer avec nous quand tu veux. Certes. Bah nous, on va se diriger, en fait, c'était plus court que prévu. On va se diriger vers l'entrée du premier, enfin, du deuxième donjon. Grotte ancienne, attention, chute de pierre. Ah. En fait, j'ai parlé trop vite. J'ai parlé beaucoup trop vite. Kana, tu vas bien? Tu ne peux aller à l'intérieur. Le rocher que tu as explosé servait de soutènement à la grotte. Nairu ne peut nous donner ses conseils. Enfin... putain. Je crois que j'ai mal lu, hein. Franchement, des fois, faudrait que j'apprenne à bien lire. Ok. Nairu... nous donne ses conseils. Il doit y avoir une chose dans la maison de Nairu qui t'aidera. Tu devrais y aller. Ben, en fait, on va y aller. Donc, grotte ancienne, attention, chute de pierre, parce que là, on ne peut pas du tout aller dans le deuxième donjon. On ne sait pas du tout comment on va débloquer ça, donc ça, je trouve ça vraiment sympa. Je trouve que Ages est beaucoup plus scénarisé que ces zones. Et c'est ça qui le rend beaucoup plus intéressant, en fait. Et du fait que Ages, comme c'est porté sur les énigmes, c'est plus scénarisé, et du coup, ça rend le jeu plus intrigant, plus intéressant. Donc là, on va se diriger vers la maison de Nairu, qui se trouve en fait pas très loin de là où on a vu Nairu la première fois, avec le chant que j'adore, franchement. J'adore ce chant, le chant de Nairu, dans Ages. D'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai mis en intro, hein. Dans mes génériques, c'est pas pour rien, parce que j'adore vraiment, quoi. Et comme ça colle vraiment au jeu, que le jeu est plus sombre, ça colle vraiment au jeu, je trouve. Et ben oui, comme j'ai dit, la maison de Nairu se trouve juste à côté de là où on a rencontré Nairu la première fois, là où il y a les animaux. C'est juste ici, voilà. Ah ah. Il doit y avoir une pièce secrète. J'ai senti des courants d'air venant du dessus. Ah ah. Et du coup, ben, on va y aller. Effectivement, il y aurait un courant d'air ici, quelque part. Et ouais. Un passage secret. Ah. Mais ne serait-ce pas la fameuse harpe? Vous obtenez la harpe des âges. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais purée que c'est énorme. C'est très émotionnel, ce passage. Franchement, je sais pas, c'est peut-être moi, mais je trouve ça très émotionnel, ce passage comme ça, là. Franchement, c'est pas juste scénarisé, c'est vraiment énorme. J'adore ce passage comme ça, là. Franchement,
On découvre une harpe dans un passage secret et on a d'un seul coup la scène avec Nehru et la musique. Ça fait très tragique, franchement. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est peut-être moi qui suis bizarre, mais je pense pas. Je pense pas, franchement. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vraiment énorme comme genre de passage. C'est ça qui est énorme, en fait. C'est un Zelda 2D, c'est 2D, ça me paye pas de mine. C'est comme Link's Awakening, pareil. Mais c'est des petits passages comme ça, franchement. Je peux pas vous expliquer comme ça, c'est juste énorme. Franchement, c'est juste le cœur qui parle, quoi. Franchement, c'est énorme. Bref, on va s'en rester là. Et donc, du coup, vous devinez qu'il va falloir retourner dans le passé pour pouvoir débloquer le passage vers le deuxième donjon. Allez, à plus, les gens. Portez-vous bien. Ciao.